Yo les gars c'est on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Je pense que cette vidéo vous l'attendiez tous, je vais vous montrer l'emplacement de chaque cadeau. Donc vous le voyez ici, il y a le petit icône flocon qui vient d'arriver. Et donc pendant 14 jours vous allez avoir un cadeau par jour. Avant que la vidéo commence, les gars, vous oubliez pas le code créateur ncu dans la boutique Fortnite, E N D S K -E Je vous laisse regarder comment ça s'écrit. Hop, on accepte, si jamais vous achetez le pass de combat, même s'il est déjà passé, mais peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas encore acheté, ou si vous achetez des skins de Noël dans la boutique, ça me soutient énormément, c'est gratuit en plus, et puis moi en échange, je vous sors plein de bonnes vidéos tuto. Donc déjà, premièrement, je vous ai fait une vidéo tuto pour débloquer un skin de Noël gratuit. Là, le skin je l'ai déjà débloqué, vous l'avez vu dans, dans l'intro, c'est le même skin que celui-là en rouge. Si vous voulez le débloquer gratuitement, allez regarder ma vidéo qui est sortie juste avant. Bref, assez parlé. Du coup voilà tous les cadeaux. Je vais vous montrer chaque cadeau correspond à quoi et je vais vous montrer les deux cadeaux qu'on peut pas ouvrir maintenant. Alors déjà, il y a des petits easter eggs, comme d'habitude. Déjà l'easter eggs de la part de pizza. Hop, donc on peut voir que chaque jour, enfin c'est un petit défi tout simplement. Hop, là on peut voir la deuxième interaction, c'est le petit, euh, petit bonhomme là, le petit skin. Il veut pas qu'on touche à son cadeau parce que ça va être je crois le dernier skin. Donc le skin marron comme ça. Ensuite on a la cheminée juste là qui donne de l'XP donc c'est très sympa. On a ici le petit truc LED qui s'éteint et qui se rallume. C'est très sympa. Là on a tous les cadeaux. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a d'autre à cliquer. On peut voir que là il y a pas mal de trucs à cliquer. Et donc par exemple ici on a la petite banane. On a des petits des petits trucs partout, c'est rigolo. Hop, je regarde un peu partout s'il n'y a rien d'autre à cliquer. Parce qu'en vrai, peut-être qu'on s'en fiche, mais je trouve ça quand même intéressant. Hop. Et à droite, normalement il y a encore des trucs à cliquer. Voilà. Hop, petite musique. Tadam. Bref, on a assez rigolé. Maintenant, je vais vous montrer les cadeaux. C'est parti. Hop, alors attendez. Parfait. Hop, je vous mets en plein écran. Bam. Et je zoome un peu. Parfait. Magnifique. Hop là. Du coup, les gars, voilà tous les cadeaux. Alors, déjà, le premier que vous, je pense que vous le voyez direct, c'est celui-là, le vert, avec le petit skin. Il faut savoir que celui-là, vous ne pouvez pas l'ouvrir maintenant. Je pense pas que vous pourrez l'ouvrir en dernier. Donc regardez tous les jours. Et tous les jours, essayez de voir si vous pouvez l'ouvrir. Je ne sais pas au bout de combien de temps. Peut-être au bout d'une semaine. Le septième jour, peut-être. En tout cas, c'est le meilleur cadeau. Et ça donne un skin. Donc c'est le deuxième skin gratuit. Avec le petit Yeti marron que je vous ai montré qui était allongé par terre. Donc les deux skins là. Vous pourrez les débloquer plus tard. Le Yeti en dernier et celui-là, je ne sais pas trop quand, mais regardez tous les jours. En tout cas, je vais vous montrer tous les autres cadeaux. Et tous les autres sont ouvrables maintenant. Donc c'est parti. Alors déjà, le grand jaune derrière, c'est un planeur. Moi personnellement, je ne pas le débloquer maintenant le planeur parce que c'est pas très intéressant. Ensuite, le jaune tout à gauche, c'est une pioche. Pareil, elle est sympa, mais je ne vais pas la prendre aujourd'hui. Le petit graphe, sympa, je ne vais pas le prendre aujourd'hui. Donc c'est le petit cadeau comme ça. Le petit gris carré. Euh, celui là. Regardez bien l'ordre, d'accord Parce que peut-être que vos cadeaux ne sont pas la même couleur, mais en tout cas, c'est l'ordre qu'il faut suivre. Donc celui-là, le bleu, c'est pour une émoticône. Celui au milieu, violet, comme ça, c'est pour le, le petit, la petite danse, comme ça. Celle-là, je vais peut-être la prendre aujourd'hui, on va voir. Euh, à droite, le gros rouge, c'est pour un petit revêtement. Et celui-là, juste à côté, euh, bon, c'est un peu cramé, on voit le disque qui sort, mais c'est pour une musique. Hop, on va regarder le deuxième, boum. Alors, à droite, ici, vous avez une petite traînée. Hop, très sympa. Euh, ici le rouge, vous avez un camouflage. Euh, le petit rose, ici, c'est pour euh, une piste musicale. Le grand derrière, c'est un, un sac à dos très mignon. Je vais peut-être prendre ça aujourd'hui. Ouais, je, je pense prendre ça, clairement. Et un petit planeur dans le gros derrière. Hop, du coup c'est parti, je vais relancer le petit jeu. Hop. Et donc moi, je vous ai dit, je vais ouvrir celui-là. Parce que c'est le petit... Euh, C'était quoi C'était un sac à dos très mignon. Donc moi, je vais le débloquer. Et donc on ouvre tout de suite. J'aurais pu d'ailleurs vous faire une vidéo euh, où je me connecte sur tous mes comptes secondaires pour, euh, pour ouvrir tous les cadeaux. Mais ça aurait été tellement long les gars. Imaginez je vais me connecter sur 14 comptes secondaires, un par un, euh, 14 fois pour ouvrir chaque cadeau. Ça, ça aurait été super long. Mais si jamais vous voulez une vidéo comme ça dites-le moi en commentaire. Et puis même si c'est long je le ferai quand même. Et donc j'ouvrirai tous les cadeaux euh, aujourd'hui. En tout cas voilà, comme je vous l'ai dit, le petit sac à dos à la main. Je vous ai pas menti. Donc pour NSQ, voilà. Le code créateur NQ et donc le petit sac à dos très mignon Festi Lama. Achoum bla blablabla. Et donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Pensez au code créateur NQ dans la boutique Fortnite. Mettez un petit commentaire. Allez, ciao